Étranges silhouettes sont ici dans une salle du palais de Tokyo. C'est le styliste Antonio Ortega qui détourne les matières. Il a choisi le thème des momies pour sa collection hivernale. Mummy Fake, c'est un titre que c'est venu comme ça de ma tête parce que ça décrit parfaitement les momies. Et c'est donc Mummy Fake, une idée originale. L'idée principale vient du mystère qui entoure le passage vers une nouvelle vie. Je trouve ce passage dans ce mystère de culture à travers le monde qui ont utilisé la momification. Je m'inspire beaucoup de ce mystère et de comment les cultures embaument le corps. Antonio Ortega a conçu cette saison en couleurs intenses, inspirée de sa terre d'origine, le Mexique, et des matières volumineuses pour se protéger du froid canadien, terre de son quartier général. La femme Ortega couverte de bandages porte de manteaux, des jupes. Les jambes sont franchement à l'honneur dans les collants du Canadien Mandor. Le short sublime la silhouette. Les pantalons sont propices pour l'hiver et les tailleurs aussi. J'ai énormément de respect pour les tailleurs. J'aime montrer ce savoir-faire de façon artisanale. Bref, une femme chic qui a tous les éléments pour se sentir bien cet hiver. La musique de ce show mystérieux est signée David Chavalerias. L'atmosphère, c'est un rebondissement des notes, un rebondissement de sons et vraiment emballer les gens et les faire rentrer dans cette bulle pour nous faire sentir en protection et puis surtout les séduire et les hypnotiser. Surtout ça, les hypnotiser. Un show réussi qui confirme l'audace d'Antonio Ortega dans un concerto de forme originale, mélangé à des matières détournées et contemporaines.